Bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Good Morning CHU, animée par Mel et moi-même, Maëva, ainsi que Claire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Christian Morin. Donc, bonjour Christian. Bonjour Maëva. Et bonjour bien sûr Mel et bonjour Claire. Bonjour. Nous savons que vous êtes de base dessinateur, humoriste et graphiste. Mais pourquoi n'en avez-vous pas fait votre métier ? Parce que quand j'ai cherché un petit peu de travail dans ce domaine-là, en arrivant à Paris, je suis venu une première fois à Paris, j'ai perdu mon père entre-temps, et puis je suis revenu à Paris, ce qui fait que tous les premiers rendez-vous que j'avais pris, je n'ai pas pu les garantir. Donc il a fallu que je recommence, et j'ai essayé de rassembler tout ce que j'avais fait à Bordeaux pendant mes études aux Beaux-Arts. Il y avait la musique, des participations à des émissions de radio, et je me suis dit, il faudrait que je trouve un métier qui réunisse tout ça. Alors, la télévision, ça me faisait peur. Donc, je suis allé à la radio. J'ai demandé s'il y avait des stages pour devenir, écoutez bien, Maëva, pour devenir speaker. On m'a dit, bon, on dit plus speaker, on dit animateur de radio. Et puis, on m'a fait faire des essais de voix. Et un jour, on m'a dit, ben voilà, vous commencez de minuit à 3h du matin pour remplacer quelqu'un. C'est comme au football, hein, c'est comme au théâtre. Il y a un jour où vous avez quelqu'un à remplacer. Donc vous commencez, et puis petit à petit, j'ai appris mon métier sur le tas, et de fil en aiguille, voilà où j'en suis. Donc, mais je continue toujours de dessiner et de jouer de la clarinette malgré tout. Et justement, vous dessinez toujours. Quel est votre style ? Alors, mon style, c'est un style assez figuratif. Je vous ferai voir des dessins tout à l'heure. C'est un style très, très classique. Vous connaissez le style Franquin, Gaston Lagaffe ? Oui, oui, bon, oui. C'est un petit peu plus proche de ça. J'ai quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration qui a commencé à dessiner dans le journal Sud-Ouest, c'est Jean-Jacques Sempé. Mais c'est un trait assez figuratif, assez léché. J'aime bien les détails, d'ailleurs, dans les dessins humoristiques. Je vous fais voir tout ça tout à l'heure, parce qu'à la radio, on peut pas. C'est difficile d'expliquer les dessins. Mais voilà, c'est un style tout à fait, on va dire, classique dans le dessin humoristique. Comment vous êtes-vous senti lors de votre première émission ? Oh, alors là, j'ai tout écrit, j'avais peur. Et au fur et à mesure que je lisais ce que j'avais écrit, moi, j'avais l'impression que c'était génial, c'était extraordinaire. En face de moi, le technicien, le réalisateur n'avait pas l'air très emballé. Et puis, j'ai des amis qui m'ont dit « On t'a écouté un peu, mais on n'a pas été jusqu'au bout. » C'était entre minuit et 3h du matin. On s'est un peu endormi. Mais je me demandais s'il s'était endormi parce qu'il tombait de sommeil ou s'il s'était endormi à cause de moi, parce qu'on ne sait jamais. Donc, non, j'avais vraiment la trouille. J'avais très peur. Parce qu'on a l'impression que si on s'arrête de parler, il y a le vide. On a l'impression d'être au bord. Mais petit à petit, on met du temps quand même à être libéré devant un micro, mais on apprend au fur et à mesure, en écoutant les autres. J'allais dans les studios regarder des gens qui étaient des grands professionnels, comme Pierre Belmar et beaucoup d'autres, et je les regardais travailler, et je me disais, comment font-ils ? Et puis un jour, il y a encore une dizaine d'années, il y a quelqu'un de beaucoup plus jeune qui est venu me voir et qui m'a dit « Comment vous faites ?» Donc, ça y est, je me suis rendu compte que j'avais un peu grandi. À mon tour, il fallait que j'explique comment il fallait faire, ce que je fais avec votre présence à toutes les trois aujourd'hui et avec plaisir. Et de quoi parlait-elle justement cette première émission ? Alors, la première émission, il y a eu deux phénomènes. La première émission, j'avais simplement, Mel, un programme de musique à présenter, c'est-à-dire avec juste des 10 disques, tu vois. Donc j'annonçais et je désannonçais les disques, j'essayais de trouver des petites anecdotes autour, et puis un jour je me suis dit, ce serait bien que je commence à raconter des histoires. Et comme j'arrivais de la province, de Bordeaux, en arrivant à Paris, j'étais fasciné par un monument à Paris, que vous connaissez, vous êtes allés à Paris toutes les trois. Oui, 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 j'y ai vécu. C'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, ça me fascine. J'y suis monté jusqu'en haut, j'ai visité, je suis même monté jusqu'au deuxième étage en jouant de la clarinette, à la suite d'un pari pour une émission de radio. Et je me suis dit, je vais raconter l'histoire de la Tour Eiffel. Et j'ai trouvé un livre au Puce, à Paris, et quand j'ai raconté l'histoire de la Tour Eiffel, j'ai eu un coup de fil du petit-fils de Gustave Eiffel,
qui était âgé, il avait le même âge que la Tour Eiffel, il a disparu aujourd'hui, il était ingénieur automobile, et il m'a téléphoné, il m'a dit « Où avez-vous pris vos renseignements ? Vous n'avez dit aucune bêtise sur mon grand-père. » J'étais très fier, tu vois. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à raconter des choses, et... Mais donc j'écrivais, je réécrivais. Puis alors, on te dit toujours à la radio de ne pas trop parler. Il faut toujours équilibrer avec de la musique, à moins que ce soit une émission, comme c'est le cas avec vous, de conversation. Bon, mais autrement, de toujours faire un point de repère avec un équilibre, parler, être présent sans être omniprésent. Et puis je vais vous donner un petit truc, par exemple. Si quelqu'un nous rejoint maintenant dans notre conversation à tous les quatre, quelqu'un qui écoute ne sait peut-être pas qui est votre invité. Donc, c'est le directeur artistique de la radio, le directeur des programmes, qui nous rappelait, à toutes fins utiles, qu'à chaque fois, quand vous êtes avec un invité, vous dites « Et je vous rappelle aujourd'hui que nous recevons un tel, en l'occurrence votre serviteur, pour rappeler qui est l'invité. » Donc voilà, c'est des petits trucs à apprendre qui deviennent après mécaniques. En fait, je crois que vous faites du vélo. Oui. Bon, oui. Le vélo, une fois qu'on a appris à en faire, ça va tout seul, on a l'habitude, il n'y a aucun problème. Et bien la radio, c'est ce même exercice. Une fois qu'on a appris tous les petits trucs, c'est d'oublier tout ça et vous les faites. C'est un peu comme quand on commence à faire du théâtre. Vous avez fait du théâtre, toutes les trois ? Un petit peu. Non, un moi j'en ai jamais fait. Ah ça, c'est un... Alors vous devriez en faire, c'est formidable. Sans blague. D'abord, ça entraîne la mémorisation de textes. C'est un travail. Et puis après, il faut jouer. C'est-à-dire jouer un texte appris. Quand tu parles avec une copine tous les jours, bon, cette conversation, il faut la redonner avec un ton naturel. Le théâtre, tu devrais essayer, Mel, c'est très intéressant. Mais j'essayerai. Voilà. C'est du boulot, hein, parce que quand j'ai envoyé mon fils faire du théâtre, il râlait un peu parce qu'au début, il trouvait que d'apprendre les textes anciens ou les textes classiques de Molière à Racine ou un peu plus tard pour Feydeau ou Sacha Guitry, ça lui rappelait un petit peu ses cours de fac de droit, tu vois. Donc ça l'énervait un peu. Mais petit à petit, après, on se régale, on s'amuse. Et est-ce qu'entre les différentes chaînes de radio, il y a différentes manières de travailler ? Non, c'est à peu près la même. Tu sais, toujours, tu es toujours derrière un micro. Après, les différentes manières, elles ne varient que si l'émission n'est pas la même. Tu peux avoir une émission sur le sport, bon, le texte ne sera pas le même. Si tu fais une émission sur la musique en expliquant tel ou tel compositeur ou une émission sur le cinéma, c'est l'objet de l'émission qui fait que tu varies. Mais sinon, c'est toujours s'adresser à quelqu'un. Je vais vous raconter une histoire sur le cinéma, sur le théâtre, sur la peinture, sur la radio, pourquoi pas. Et sinon, est-ce que vous avez rencontré des célébrités lors de vos émissions ? Ah ben oui, beaucoup. Ça c'était... Et d'ailleurs au début, c'est très émouvant. C'est peut-être pas même le terme, c'est très impressionnant. Les premières personnes que j'ai pu rencontrer dans tous les domaines, que ce soit des écrivains, des acteurs de cinéma, des acteurs de théâtre, comédiens, chanteurs, etc. Et j'avais l'impression, je m'en souviens très bien, j'avais l'impression d'être un peu à votre âge et d'être rentré tout petit dans un poste de radio et de découvrir tous ces gens que j'entendais, moi, quand j'étais auditeur, tu vois. Et celui qui vient de nous quitter il y a peu, la Johnny Hallyday, je l'ai rencontré très souvent, sur une trentaine d'années à peu près. Alors on n'était pas... J'aurais pas la prétention de dire qu'on était amis, mais enfin, on se connaissait bien, quand on se voyait, on se saluait. J'ai beaucoup de photos dont je suis très fier aujourd'hui. C'était quelqu'un de très généreux, de très gentil et qui a toujours été sincère avec son public. Et je pense que ce qui a été cet étonnement pour certains au moment de son enterrement, il y a eu quand même entre 800 et 1 million de personnes à Paris, simplement, mais dans toute la France, il y a eu des manifestations. Je pense que d'abord, c'est qu'il a eu 4 générations qui l'ont écouté. Moi, j'ai commencé, j'ai 2 ans de différence avec lui, j'ai commencé à l'écouter dans les années 60. Et je le voyais encore aujourd'hui, donc ça fait une période énorme. Mais je pense que les gens l'appréciaient, en dehors du fait qu'il ait une très très bonne voix qui s'était améliorée au fil des années. C'était quelqu'un qui était très sincère, qui était un vrai homme, et le public l'a bien reçu, il l'a bien perçu. Il était gentil, très gentil et timide. Et pourquoi avez-vous quitté TF1 pour France Télévisions en 1993 ?
Mais vous êtes au courant de tout, ma chère Mel. Vous avez mené une enquête. C'est ça, exactement. Eh bien, je vais vous dire, j'ai pas été viré, mais enfin, on m'a fait comprendre que pour l'instant, on allait attendre, on allait voir si on allait me proposer d'autres programmes. Donc, c'est moi qui, à ce moment-là, j'ai senti le vent venir et je me suis dit, je vais changer de chaîne. J'ai été faire des offres de service à France Télévisions. Mais, vous savez, la télévision, on oublie quelquefois, chacun de nous à la télévision, ou même à la radio, nous ne sommes pas des propriétaires de nos émissions. On vous donne une émission. D'abord, si l'émission ne marche pas, vous êtes viré. Et puis, il faut dire aussi que la télévision, aujourd'hui, marche avec ce qu'on appelle l'argent et la publicité, qui fait rentrer de l'argent. Donc, quand vous avez une émission qui marche bien, on met de la publicité, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'argent à la chaîne. Et quand l'émission marche moins bien... On vous met un peu de côté. Donc, c'est comme un vendeur de voiture. Il faut quand même faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais on n'est pas décisionnaire. Il y a des patrons aussi, puis quelquefois, qui peuvent en avoir ras-le-bol de voir telle ou telle tête. Donc, il faut un peu changer. Mais c'est à nous d'essayer de ne pas trop mal nous débrouiller. Enfin, disons que ce sont des professions très fragiles. Oui. C'est pas la garantie de l'emploi. Quand vous rentrez dans ce métier, c'est comme le métier d'un métier très difficile aussi, c'est le métier de comédien ou acteur de cinéma. Mais la musique, c'est pareil. On ne sait pas. Vous savez, il y a des musiciens classiques qui sont très connus, d'autres qui jouent très bien, mais il y en a beaucoup. Donc, il faut saisir sa chance. Et puis après, il y a cette petite lumière au-dessus de chacun de nous qui fait que ça va mieux pour les uns, ça va moins bien pour les autres. Mais en revanche, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais désespérer. Il faut aller au bout. Vous avez envie de faire ça ? Allez, on y va. Il ne faut pas se dégonfler. Il ne faut pas se dire « Oh, j'ai été mauvais ». Non. La détermination. Je ne dirais pas, tu vois, Mel, je ne dirais pas « Il faut se bagarrer » parce que je n'aime pas le terme, il n'y a pas de raison. Mais il ne faut, faut pas se dégonfler. Il faut y aller. Oui, il a l'envie. Et en même temps, comme disait Johnny, avoir l'envie d'avoir envie. Mais il faut surtout être, je le dis, mais au bon sens du terme, il faut que vous soyez très égoïste pour vous. Il faut que vous pensiez à vous. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous avez envie de faire quelque chose, ou de choisir un métier, ou de je ne sais pas, d'acheter quelque chose, ou de rencontrer quelqu'un, ou de faire du théâtre, ou j'en sais rien, quoi d'autre. Il faut que vous vous disiez, je veux penser à moi, c'est-à-dire je veux me faire plaisir. Donc cet égoïsme-là, il n'est pas gênant. Il ne s'agit pas de détruire tous les autres autour de vous. Faites-vous plaisir, pensez à vous, et puis vous verrez, ça marchera très bien. Il faut que vous soyez heureux. Donc pour être heureux, de temps en temps, il faut se foutre un petit coup de pied au derrière, et puis vous verrez, quelquefois, ça avance très très bien. Hein. Pour ça, Mel va faire du théâtre, je le sens. Oui, bien sûr. Elle est lancée. Ça y est, là, je suis lancée, je suis inscrite. Ah, mais je le vois. Je le vois. Pardon, Claire. Avez-vous une petite anecdote à nous raconter ? Une anecdote à la radio ? Oui. Qui soit arrivée à la radio ? Oui, il y en a des tas. Il faut que j'en trouve une rigolote, on a fait croire, parce qu'il y a des canulars à la radio, on a fait croire à des auditeurs de Radio Classique, d'Europe 1, qu'on avait organisé un concours de peinture pour des auditeurs de la radio, et on leur a fait croire qu'on allait accrocher le tableau du vainqueur au Louvre, à Paris. Donc, avec des bruitages, on a fait croire qu'un animateur était en train d'accrocher le tableau au Louvre. Moi, j'étais dans une voiture Europe 1 devant le Louvre. J'avais sur les genoux les vrais plans du Louvre. Donc, on mimait, on disait « Où est-ce que tu te trouves ?» L'animateur qui était dans les studios à Paris disait « Je suis à tel endroit, mais je ne peux pas parler fort parce qu'il y a des gardiens là qui me surveillent. Je vais essayer de trouver une pièce où je vais pouvoir accrocher le tableau. » Et puis, à un moment, je dis à l'animateur, qui lui n'était pas dans le Louvre, mais était dans son studio, je lui dis « Fais-moi un petit signe par la fenêtre. » Ah ben je lui dis « Je te vois très bien. » Et là, les vrais gardiens du Louvre ont vu la voiture d'Europe 1 et ont pensé que c'était pas bidon. Et il s'est passé un drame. D'ailleurs, le ministère des Beaux-Arts a porté plainte. C'est que les gardiens et la direction du Louvre a fait fermer le Louvre en plein mois d'août, à 15h30, un après-midi. Il a fallu évacuer,
je ne sais pas combien de milliers de personnes qui visitaient le Louvre, pour rechercher l'endroit où on avait accroché ce tableau. C'était complètement bidon, donc il a fallu présenter nos excuses. Enfin, ça fait partie des petites choses qui peuvent arriver, tu vois. Puis un jour aussi, à l'époque où, aujourd'hui on ne fume plus nulle part, il y a encore des gens qui fument, mais enfin, dans les lieux publics, donc dans les studios, on fumait. Et puis un jour, je venais d'allumer une cigarette, et j'ai jeté mon allumette dans la petite corbeille à papier où on jetait les publicités que l'on venait de lire, ou les papiers, comme vous, pour poser des questions à l'invité. Je jette mon allumette, et tout d'un coup, je vois des flammes gigantesques, et au moment où je désannonçais le disque qui venait d'être joué à la radio, il y a le réalisateur qui est rentré, et pendant mon annonce, ma désannonce, on a entendu des bruits d'extincteurs dans le studio. Le problème, c'est que le studio était tout petit, il a fallu ouvrir les fenêtres, parce qu'au fur et à mesure où on éteignait les flammes, il y avait une fumée gigantesque, donc on ne respirait plus dans le studio, voilà, uniquement par une allumette, tu vois, petite anecdote. Alors après, il faut raconter aux auditeurs pourquoi tu te marres, parce que quand tu rigoles à la radio, il faut dire pourquoi. Autrement, c'est pas honnête. Voilà. Non, mais il y en a d'autres. Elles ne me reviennent pas toutes en tête, si tu veux. Mais autrement, les rencontres avec des gens, des personnalités, ça a toujours été une satisfaction. Et c'est très impressionnant. Sinon, pourquoi avez-vous arrêté la radio pour la clarinette ? J'ai pas arrêté la radio pour la clarinette. La clarinette a toujours existé. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, si tu veux. J'en ai fait moins par moment, dans des périodes. Mais justement, ce qui dérangeait certaines personnes, à la télévision notamment, c'est que les gens ne savaient pas quelle étiquette me mettre sur le front. Parce que je jouais de la clarinette, je faisais de la radio, je faisais du dessin humoristique, je faisais des affiches, des pochettes de disques. Après, je me suis mis à faire du théâtre. J'ai tourné un peu, là je viens de tourner, pour le prochain film de Pascal Thomas. Donc je faisais plusieurs choses qui... Je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, égoïstement, ça me faisait énormément plaisir de faire tout ça, parce que pour moi, c'était une manière d'être équilibré. Quand j'en avais un peu marre de la clarinette, bon, je faisais un peu plus de radio. Quand j'en avais marre d'avoir fait de la radio, j'allais jouer de la clarinette dans les clubs de jazz à Paris. Ou après avoir joué de la clarinette, le lendemain, ben, je faisais des dessins pour les journaux, etc., etc. C'était mon équilibre. Et puis aujourd'hui, ben, je m'aperçois que c'est toujours le même. D'accord. Et j'ai quand même 23 ans. Bah oui, bah bien, oui sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Non, mais dites donc. Ah, mais non, on vous bon, croit. Bon, 25. Oui, 25. On accepte. Non, j'ai 2 ans de moins qu'avait Johnny Hallyday. J'ai 72 ans. 72 ans. Oui, vous avez encore le temps de faire des choses, vous verrez. C'est ça, oui. J'ai encore le temps de faire du théâtre. Non, tu as surtout le temps de faire du théâtre, mais surtout de devenir une grande vedette du théâtre. Je compte c'est sur ça. Toi. Ah ben, tu t'y es engagé, vous êtes d'accord, hein ? Oui, là c'est hein ? Voilà, Maëva était moins claire également. Oui. Et toi, Claire, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Journaliste. Ah ben voilà, mais tu commences aujourd'hui. Oui. Et là, c'est très bien. Fais une bonne école, c'est un métier passionnant, très intéressant, formidable. Avec une spécialité, pour l'instant, tu ne sais pas. Non, formation générale. Formation générale, tu as raison. Et toi, Maëva ? Je ne sais pas trop, je suis assez indécise, mais plutôt dans la gestion. Économie. Et voilà, gestion des économies, mais à l'international, j'ai toujours voulu visiter les pays. C'est bien. Tu parles anglais, tu as commencé à apprendre un peu l'anglais ? Oui, j'ai commencé à apprendre l'anglais, même si c'est toujours très compliqué. Oui, et l'espagnol aussi ? L'espagnol un peu aussi. Parce que, mais ça, si, avec l'espagnol et l'anglais, si tu as ces deux langues, tu vas dans le monde entier, hein. Oui, on m'a dit, ils parlent un peu tous, soit espagnol, soit anglais. Tu as devant toi quelqu'un qui ne parle pas anglais. Je n'ai fait que 2 ans d'anglais parce que j'ai redoublé ma 6e. Et ensuite, j'ai appris à parler espagnol. Alors, j'avais fait un petit peu de théâtre en espagnol, avec un lecteur d'espagnol. Et je le regrette, mais j'ai toujours eu autour de moi des gens qui parlaient très bien anglais. Et mon fils, en revanche, parle très très bien l'anglais. Il a commencé à l'âge de 3 ans. Il en a 32 aujourd'hui. Et il a été même faire un stage à l'Actor Studio à New York. Il a été accepté. Et il parle très bien, j'allais dire, plus que l'anglais. Il parle très bien l'américain. Et toi, tu parles anglais, même ? Oui, bah oui, je parle anglais. Je suis bilingue parce que ma mère est anglaise. Donc, ta mère est anglaise ? Oui, c'est ça. Donc, je suis bilingue, oui. Et tu es née à Bordeaux ? Non, je suis née à Paris. À Paris ? Oui. Parce que tu sais qu'à Bordeaux, on a longtemps été envahis par les Anglais. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des histoires avec le vin. Non, mais c'est vrai. Il y a le côté, c'est-à-dire, un peu à Bordeaux, on retrouve un peu le côté chic, blazer, pantalon de flanelle, très, très anglais. Je me demande même si Bordeaux n'est pas jumelé avec Bristol, en Angleterre. Et tu vas en Angleterre quelquefois, de temps en temps ? Bah oui, je vais souvent à Londres voir de la famille.
Mais si j'avais su, je t'aurais demandé de m'interviewer en anglais. Oui, mais bon. J'ai appris à dire une phrase en anglais parce que quand il m'arrivait de jouer devant des Américains ou des Anglais, je l'ai prononcé sur le plateau de la Roue de la Fortune quand je présentais ça il y a 25 ans maintenant aux États-Unis. Je dis « I don't speak English because my friend Robert Redford doesn't speak French ». Je ne parle pas anglais parce que mon ami Robert Redford, ou ça peut être Obama, par exemple, ne parle pas français. Voilà, donc c'est une phrase qui amusait les Américains. Et j'essayais de la prononcer le mieux possible, sauf que quand j'avais fini de prononcer la phrase, les Américains ou les Anglais continuaient de parler en anglais. Et je leur disais « Stop, I don't speak English », etc., etc. Donc c'était sans fin. Vous avez accompagné Michel Sardou sur le titre « Préservation » en 1981. Le connaissiez-vous personnellement ? Michel, je le connais, oui, je l'ai connu. Je l'ai connu en 1972, à l'époque où il avait une chanson, « La maladie d'amour », qui était restée pendant 3 ou 4 mois dans les hit-parades. Ça avait marché, ça avait fait un carton, comme l'on dit. Donc j'avais rencontré Michel. Et puis sur ce titre qui raconte en fait un club de jazz à la Nouvelle-Orléans, comme il y en a beaucoup, où le jazz est né. Et donc, il voulait un clarinettiste. Et Michel m'avait demandé gentiment de jouer de la clarinette. Donc, je lui ai fait une surprise, d'ailleurs, pour une série de concerts qu'il donnait au Palais des Congrès. Le dernier jour de son congrès, au lieu que ce soit un de ses musiciens qui joue de la clarinette derrière lui, je m'étais caché dans l'orchestre. Et à un moment, il ne reconnaissait pas le même son de la clarinette. Il s'est retourné. Et c'était moi qui étais derrière, venu lui faire la bise pour une petite surprise. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti du fait de donner une représentation avec un tel chanteur ? D'abord, c'est très impressionnant parce que c'est la première fois que je me trouvais sur une scène telle que le Palais des Congrès à Paris, où il y a quand même 3500 places. Et puis là, j'ai vu ce que Sardou avait à voir tous les soirs en tant que chanteur. C'est très impressionnant. Mais petit à petit, on apprend à oublier qu'il y a autant de monde devant soi. On ne les voit plus. Alors, il faut apprendre. C'est Annie Cordy qui m'a appris. Quand tu es devant une grande salle comme ça, il faut regarder tout le monde. Il faut bouger la tête, regarder en haut, en bas, etc. pour ne pas être figé. Il faut bouger sur scène, ce que fait Sardou d'ailleurs. Mais non, c'est très impressionnant. Là, cela dit, moi j'étais planqué, j'étais derrière Michel Sardou, donc je prenais pas de risque. Si j'avais été obligé d'être tout seul à la place de Michel, ça aurait été quand même très difficile. Et sinon, est-ce que vous avez un rituel avant chaque représentation ? Non, ce que l'on recommande au théâtre, c'est de respirer. Ou de dire merde. Généralement, on dit merde. Oui, mais je ne peux pas me le dire à moi-même, tu comprends ? Non, mais... Je le dis. Alors, tu sais qu'à propos de ça, tu as raison. En Guadeloupe, j'avais été joué au théâtre, j'avais été joué le Barbier de Séville, de Beaumarchais, et on nous disait, les régisseurs, les techniciens, au moment d'entrer sur scène, au lieu de nous dire merde, ils nous disaient « bon voyage ». C'est joli comme expression. Ah oui. « Bon voyage, pendant une heure et demie, vous allez jouer le théâtre, bon voyage ». Sans aucun risque. Donc voilà. Mais merde, c'est quand même ce qui marche le mieux. En plus, c'est un mot qui maintenant, je crois, est dans le dictionnaire, me semble-t-il. Et puis, comme je dis toujours, je m'appelle Morin, donc mon nom a 5 lettres. La première est un M, la troisième est un R, et pourtant je suis poli. C'est presque comme merde, mais bon. Mais merde, c'est devenu. Oui. C'est courant. Ça peut être même très gentil. Bah, bien sûr. Moi-même, j'ai envie, pour vos chances à vous de la vie, j'aurais envie, mais je vous le dirai à la fin de l'émission. Et justement, est-ce que l'on peut vous suivre quelque part, suivre votre actualité ? L'actualité, il y a la radio. Là, actuellement, je suis sur Radio Classique tous les matins, de 10h jusqu'à 13h, du lundi au vendredi, depuis 8 ans maintenant. Et puis, l'actualité, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tourné une séquence dans ce film à sketch de Pascal Thomas, qui, je pense, va sortir en 2018, peut-être à la rentrée de septembre 2018. Le théâtre, il n'y a pas de projet de ce côté-là. Et puis, il y a toujours quelques dessins humoristiques. Tous les mois, je dessine dans un magazine où je raconte une petite histoire vraie sur la musique classique que j'illustre avec un petit dessin dans ce magazine. Donc, voilà mon actualité. D'accord. Bon, bah, écoutez, nous vous remercions d'être venus derrière le micro de Radio CFU. Et merci Christian, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Good Morning CHU.
Ciao. Merci Ciao. Beaucoup. Alors, je vous avais promis de vous dire quelque chose. Claire, Maëva et Mel, pour vous, pour votre avenir, je vous dis merde. Sous-entendu, bonne chance. Et puis, j'en profite aussi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vais vous faire des bisous pour l'année 2018. Bah, bien sûr. Bah, hein, que tous vos souhaits et vos vœux se réalisent. Merci beaucoup à vous. Je vous embrasse toutes les trois. C'est vraiment. J'ai passé un très bon moment. C'est très sympa. Alors, ceux qui nous écoutent, je vais leur dire, écoutez la prochaine émission de Radio CHU. Good Morning CHU, c'est ça? C'est ça. Vous aviez vu Good Morning Vietnam, le film? Non, mais ça me dit quelque chose. Oui. Avec Robin Williams. Oui. Ah, super. Regardez ce film. Eh bien, vous apprendrez à faire de la radio au travers de ce qu'il fait dans ce film. D'accord. Merci beaucoup. Pardon, pour Mel, spécialement. Thank you very much. Thank you. Thank you. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi sur Radio CHU.